Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire des crèmes au spéculoos avec votre multidélice. Alors pour ça, vous aurez besoin de 100 g de spéculoos que vous allez mettre dans une casserole avec 650 ml de lait et vous allez faire chauffer le tout à feu doux pour que le lait soit bien chaud et que les spéculoos se soient bien dilués dedans. Ensuite, dans un saladier, vous allez mettre à votre convenance 3 sachets de sucre vanillé ainsi que 3 œufs. Alors pour le sucre vanillé, vous pouvez aussi mettre du sucre normal ou pourquoi pas sucrer la préparation avec du sirop d'agave, du miel, du sirop d'érable, bref, ce qui vous passe par la tête et ce que vous préférez. Après, le spéculoos sucre déjà pas mal la préparation, donc vous pouvez même faire sans sucre ajouté. Vous mélangez le tout avec votre batteur, si possible batteur électrique. Personnellement, je passe un coup de batteur dans la casserole histoire que mes biscuits soient bien en miettes dedans pour ne pas avoir de morceaux et d'ailleurs j'en fous partout. Vous versez la préparation bien chaude sur les œufs, toujours en battant sinon ça va cuire les œufs, donc on bat bien en même temps. Il va vraiment falloir que j'investisse dans un saladier un peu plus grand. À l'aide de l'ustensile multidélice, ou même avec un petit verre doseur hein, si vous n'en avez pas, vous remplissez vos pots. Vous allez sélectionner le programme 4 pendant 45 minutes. Et voilà, bon appétit !